le site du lycée de Bembridge. Il semblerait que ce sera le plus beau complexe éducatif de France et nous ferons tout pour que nous puissions être vraiment à la hauteur de l'attente de nos jeunes Guadeloupéens en mettant à leur disposition des outils d'éducation pour leur avenir. C'est un établissement de restauration qui comporte, en termes de surface, 2 800 m², qui a une capacité de production de 2 175 couverts par jour. Donc, ce qui prime, c'est le confort des élèves qui puissent se restaurer dans des conditions les plus agréables. Et c'est ce que nous avons voulu réaliser avec nos partenaires. Je suis chef de cuisine depuis 1980. Une nouvelle cuisine, oh. C'est vraiment quelque chose qu'on attendait avec cœur. Ça nous permettra de bien travailler et de développer d'autres techniques de travail, d'autres techniques de cuisine aussi. Je suis fière de cela. Franchement, je félicite la région Guadeloupe pour cet outil. Bembridge a toujours une restauration de bon niveau. Je crois que tout est réuni maintenant pour que l'ensemble de nos élèves puissent privilégier cet espace-là pour réussir au scolaire. C'est la première fois que je le vois. Et je suis ébahi par juste la beauté et le fait que ça soit spacieux. C'est un établissement qu'on attendait depuis très 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 longtemps. C'est un projet qui répond actuellement à toutes les normes environnementales, mais également donc qui répond parfaitement aux formations que nous assurons ici dans ce lycée. L'ensemble des travaux est prévu sur une durée de 5 années. Donc normalement en 2029, le lycée totalement construit ou refait devrait être livré. Il y a un travail qui est mené par la région, effectivement, pour monter aussi en niveau de qualité les différents équipements. Du point de vue de l'académie, c'est une très grande satisfaction que de voir ces travaux et d'autres qui sont dans d'autres établissements, mais il est vrai que c'est un point important pour la réussite des élèves. Nous avons effectivement à notre arrivée dû batailler, aller à Bordeaux pour pouvoir signer une convention avec la Banque européenne d'investissement pour pouvoir attaquer les grands chantiers de ce lycée de Bembridge. Donc pour nous, c'est une belle réussite de nos architectes et un travail considérable des élus qui pilotaient ces deux gros projets. C'est ce que nous voulons, accompagner nos futurs techniciens, nos futurs élus de la Guadeloupe, nos futurs chefs d'entreprise.